Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire visiter mon tout premier studio. Chez moi j'ai un petit Judas et j'aime bien ça pour espionner, c'est bien. Donc voilà, là j'ai mon sac à dos parce qu'à chaque fois que je sors je le mets, c'est un peu comme ma carapace. Mes clés je les mets toujours là comme ça, moi je les perds pas. Quand on entre, on a le poster de Claude François. Quand c'était l'heure du deuil, bien sûr. Ici, j'ai ma belle guitare électrique. Une belle poubelle. Et une poubelle que je dois descendre. Mais j'ai eu la flemme aujourd'hui de le faire. Ici, j'allume, vous verrez mieux. C'est la salle de bain. Donc pas très propre parce que j'ai rien nettoyé. Kiko. Parce que comme je fais un peu de nettoyage pour gagner un peu d'argent, j'ai pas très envie d'en refaire en rentrant. Voici un poster de David Bowie. Et la dédicace de Pascal le grand frère. Là, j'ai des petits souvenirs du concert, du spectacle de Kev Adams que je suis allé voir, je sais plus, c'est assez vieux maintenant je pense, 2011, un truc comme ça. Là j'ai ça et là j'ai des affiches. Ici nous avons ma trottinette électrique, donc c'est tout nouveau. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Ici, c'est mon bureau setup. Bon, pour le moment, il n'y a que des vêtements et des livres dessus, hein, parce que j'ai pas tout le matériel encore. Voilà. Là, j'ai la caméra. Ici nous avons des posters encore, donc là Adoshin, c'est Nicolas Sirkis, là Michael Jackson, mon idole, et là c'est ma petite kitchenette, et oui il y a encore du Michael Jackson ici, voilà, donc oui je sais, le micro d'à côté de l'évier c'est moyen, mais j'ai actuellement rien pour meubler et le mettre sur un truc quoi, donc pour le moment je fais comme ça et je fais attention. Voilà, sinon je vais finir comme Clo-Clo. Voilà, là-haut j'ai un pup. Alors si vous connaissez Jordan, il est souvent dans mes vidéos, c'est lui qui me l'a offert à Noël. Voilà, et ça c'est ma casquette Pokémon que j'adore. Voilà, voilà. Un petit peu de vaisselle qui est pas faite. Oui, je sais. Et là, quelques trucs de cinéma. Voilà. Alors non, les gens, ceci n'est pas de l'argent. Ça, c'est pour quand je dois faire ma machine à laver. Voilà. Parce que je suis en foyer jeune habitat. Et là, encore des posters Michael Jackson. Ça c'est le poster de mon film préféré. Enfin c'est pas mon film préféré mais c'est l'un de mes films préférés. Voilà. Et Freddy Ingmar, c'est mon acteur préféré. Le doigt. Et voici mon clavier. Donc lui ça fait très longtemps que je l'ai. J'aimerais bien le changer et en avoir un mieux. Voilà. J'ai pas la pédale avec, il y a des trucs qui manquent. Mais bon, voilà, ça c'était pour mes débuts en musique. Voilà. Ici, j'ai une petite enceinte. Ça c'est pour brancher la guitare. Là, ma batterie électronique.
Et j'ai ré récemment acheté ceci. Et donc là, dedans, je peux y ranger. Là-dedans, je peux y ranger toutes mes baguettes. Hop. Tintin. Voilà, donc ça, bah, c'est pratique. Voilà. Voilà, puis je le range là, comme ça. Il dérange personne. Donc voilà, la batterie, ça doit faire à peu près un an que je l'ai. Voilà. Et bien sûr, j'ai aussi ça. Moi, j'en ai d'autres. Hein. Là, c'est adapté aux enfants, là, le solfège. Mais j'en ai d'autres, un peu plus coriaces. Et là, mon super poster David Bowie. Et je l'ai acheté quand j'étais à Londres. Parce que j'ai pu faire un voyage à Londres pendant 5 jours, mais c'était il y a longtemps aussi, c'était en 2013, durant l'été. Là, un autre poster d'Adochine, du groupe Adochine. Et là, le coin gaming. Bon, tout le monde les connaît, ces trois-là, je suppose. C'est les mascottes de Nintendo et de PlayStation. Ça, c'est la carte de Kanto de Pokémon. Je suis un très grand fan de Pokémon. Vous verrez beaucoup de vidéos sur les Pokémon sur ma chaîne. Hop, continuons la visite. Voilà, donc là c'est un peu mélangé, hein. Il y a des Pokémon, il y a un petit peu de tout. Il y a un lapin crétin qui est caché là-bas, là. Voilà. Et un Spyro. Là, j'ai quelques livres. Parce que j'apprends tout ce qui est cinéma. Parce que je voudrais en faire mon métier plus tard. Ou du moins dans le domaine du spectacle. Après, je sais pas si ce sera le cinéma. Vraiment le cinéma, ce sera peut-être autre chose. Voilà. Voilà quelques mangas Pokémon. Alors, ici, nous avons la Wii U. Donc par contre le pad il est sous mon lit, hein, il prend la poussière. Là c'est la Switch. Enfin c'est juste le support parce que la Switch elle est rangée dans ma pochette. Voilà. Là-bas il y a Pikachu. Ça c'est la boîte pour avoir internet. Voici la PlayStation 1. Ou une, je sais pas, PlayStation 1 avec une petite figurine de Crash Bandicoot. Ici, c'est ma GameCube. Voilà. Et attention, c'est pas fini. Ici, c'est la PS4. Et voici tous mes jeux. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter tous mes jeux. Donc, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai que ça. Voilà. Donc je dois en avoir une petite dizaine, pas plus. J'en achèterai d'autres à l'avenir, bien sûr. Et voici ma petite télé. Donc oui, je voudrais aussi une grande télé et tout pour jouer, c'est mieux. Mais bon, j'ai pas trop les moyens, donc pour l'instant, bah je fais avec ça. Mieux vaut avoir ça que rien. Voilà. Et ici, voici un poster Zelda. Et un autre là-bas. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à ces deux jeux-là. Parce que bah déjà d'une. Bah comment dire? Je découvre. Voilà. Je découvre Zelda. Et j'ai pas trop le temps en ce moment pour jouer donc bah mais bon ça viendra. Le petit bordel qu'est là-bas, bon bah ce sont fiches administratifs et tout, donc rien d'intéressant. Là j'ai un joli cadre de la Team Rocket. Une jolie lampe. C'est avec ça que je me sers pour faire mes vidéos, pour avoir une lumière blanche. Parce que
Pour le moment, j'ai que ça. Donc, et puis là, bah, un sacré bordel. Voilà. Et je vous parlais de ma Switch tout à l'heure, mais là, c'est la Switch Lite. Elle est juste là. Voilà, en bleu. Et voici mon lit. Donc, je peux pas vous faire voir totalement mon lit parce que j'ai des photos personnelles juste dessus. Voilà. D'une personne qui va peut-être pas se voir dans la vidéo. Une personne que j'aime. Voilà. Et bien sûr, la table qui est vraiment mal rangée aussi. Voilà. Et alors oui, il y a encore mon sac de pharmacie, je sais. C'est parce que j'ai été opéré pour mon angiome. Donc là, ça fait moins 4 mois que c'est sur la table. 4 mois. J'en ai eu, hein, du bazar. J'ai pas eu besoin de tout ça, mais c'était au cas où, quoi. Et la crème lavable, bah, c'est pour ma tendinite parce que je me suis fait bobo. Voilà. Je me casse de partout. Je suis jeune, mais là, j'ai déjà 90 ans. Et bien sûr, ici, je vous ai pas fait voir mon frigo qui est juste là. Bon, on s'en fout un peu de ce qu'il y a dedans, hein, n'est-ce pas? Voilà un peu le genre de cochonnerie que je mange. Non, je rigole, il y a des trucs équilibrés quand même. Genre compote, jus de pomme bio. Voilà, sinon bah, c'est lasagne, tartiflette. En plus, c'est du tout fait. Hein. Des danettes. Voilà. Et je me rattrape aussi sur ce genre de choses. Parce que c'est vrai que je mange pas très équilibré. Hein. Je suis très pizza, très fast food, très restaurant. J'adore les nouilles à la crème fraîche. Genre de monde. J'adore le Nutella aussi. Bon, ici, j'ai pas de Nutella, mais j'ai ça. Et j'ai ça aussi. Crème au beurre salé. Ça, c'est trop bon. Voilà, et puis ici, des gâteaux. Je suis très prince. Et ici, encore plein de médicaments parce que, bah voilà, je dois m'occuper de moi. Voilà. Hop. Le mec qui vous fait voir ce qu'il a à l'intérieur de sa cuisine, faut le faire quand même, hein. Et j'ai un grille-pain. Voilà. Et puis ça aussi, mais je sais pas m'en servir. C'est un mixeur. J'ai rien d'autre à vous faire voir, si. Ici, j'ai des Ferrero, donc ça date des fêtes de Noël. J'ai tellement de chocolat que j'ai pas encore commencé ceux-là. Ici, j'ai des casseroles. Alors, on voit pas très bien parce que j'ai pas de luminosité là. Un paquet de nouilles, enfin trois paquets de nouilles. Parce que j'adore les nouilles. Voilà. Les assiettes. Là, c'est la boîte du grille-pain. Voilà. Alors, je vous fais une vue d'ensemble à peu près. Un petit panoramique. Voilà. Et alors, la musique qu'on entend vient de là. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Cette table-là, je l'ai depuis pas très longtemps. Je pense depuis septembre 2019, par là. C'est pratique. Comme ça, si je veux regarder des films le soir, bah, je m'allonge là sur mon lit, puis je regarde, hein, tranquille. Et bien voilà, les gars. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires et de vous abonner. À la prochaine!